je l'aime. Je crois que je la veux. Allons la chercher. Un canapé à modeler de Hux-Tener, construit par éléments, il permet toutes les combinaisons, même le boudin qui forme dossier, est amovible. Lui, c'est un gardien. Ça, c'est un fauteuil en résine de polyester de Daniel 40. La chaleur du jersey et le confort de la mousse dans une multitude de chauffeuses mises bout à bout de Christian Adam. Ici, les lignes brisées n'ont pas cours, on est toujours au creux de la vague. De l'univers marin au monde de la forêt, Jean-Pierre Laporte propose Girolle. Le pied en polyester s'enroule en vasque où le corps s'abandonne. Un escalier, une pelle, 10 pelles, pêle-mêle les pelles à ordures de cartel. Des tâches ménagères à la sophistication, pour Maria Perguet, l'acier est un métal précieux. Mat ou chromé, ses lignes ont la rigueur de la matière première. La fantaisie, on la trouve plutôt dans le sanitaire. Cette salle de bain est compacte, mais tous les éléments sont indépendants. Ragot et Cadestin, ses créateurs, la voient dans les HLM. Ces formes réduites l'y mèneront très vite. Des boules toutes bêtes, mais un ensemble très chaud et une infinité de variantes, signées Michel Charon. C'est gros et cela ne sert pas à grand-chose. Sinon, à laisser vagabonder l'esprit, c'est la seule ambition de Marc Alpern et de sa boule à rêver. Boule à rêver ou boule de cristal, l'avenir, le rêve et la réalité, tout y est dans cette composition n'empruntant que des objets actuels. Un signe de notre temps, l'utilisation rationnelle des matériaux et leur possibilité d'exploitation industrielle. Le roi Soleil s'asseyait dans un fauteuil Louis XIV, pourquoi ne pas regarder la télévision dans un siège du XXe siècle ?